Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Texte. Yum natem. Texte Philippiens 1. C'est la joie. Et c'est peut-être ça à travers tout épître là, du chapitre 1er au 4e, notre thème là a retourné la joie et réjouissez-vous. Moi, t'as aimé, ben nous, quelques exemples à travers épître là. Côté thème ça, lui-même, lui retourner. Gros répétition de Philippiens 4, qui fait au chapitre 3, et le verset 1er, qui dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le chapitre 1er de l'épître aux Philippiens, l'introduction texte là, au verset 4, nous lit. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul lui dit que lui manifestait joie dans la prière au sujet de l'église pour pas que lui prend dans l'évangile, et cela dès le commencement. Priez avec joie. Et au chapitre 1er, le verset 25, là, pral retourner encore. Et Paul a dit, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. La joie dans la foi chrétienne. Et au chapitre 2 et le verset 2, l'apôtre Paul parlait d'une joie parfaite. Vous ne voyez pas manquer en rien du tout. Et rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Et dernier texte que moi t'as aimé affirmer, les trouvez-les au chapitre 4 et le verset 1er. Côté l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne,
demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'église là, c'est ma joie et ma couronne. L'apôtre Paul lui-même l'y proclamait. Frères et sœurs, parlons un peu du thème de la joie ce matin dans l'épître aux Philippiens. Nous connaissons plus fois la joie n'est pas manifestée dans la vie nous comme chrétiens. Maintenant, nous plus parler et nous plus manifester sentiment qui est contraire à la joie. Là, nous montrons dans l'église, regardez, nous capable de dire, est-ce que l'église, sur le côté du monde qui est déprimé, est capable d'aller? Parce que là, il y a un monde, en pile l'église, en pile côté, un monde qui est écrasé, soit c'est plus écrasé toujours. Un monde qui est découragé, soit c'est plus découragé toujours. Parce que l'église a manqué parler de joie. L'église là, où rentrer la donne, et je passe toute journée à parler du péché. Et tandis que je suis capable de parler de préférence du pardon. L'église là, où rentrer la donne, et c'est coup de marteau qu'on va recevoir tellement, je dis, que nous manquons sainteté, nous manquons sanctification. Tandis que nous sommes capables de passer temps nous à parler de qui est-ce que nous y est en Jésus-Christ. L'église là, nous rentrons la donne et on va suspendre, répétez-nous, que nous faibles. Tandis que nous sommes capables de parler de préférence, de force que nous gagnons en Jésus-Christ, je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4. Et le verset 13. La joie ça que Paul a parlé à, naturellement c'est pas une joie manifeste et artificielle et que nous jouons dans le rire, dans la comédie. Mais non bagaille qui est amusant, mais c'est plutôt une joie que nous joignons et qui manifestait spirituellement en Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui a parlé nous de la joie n'est pas toujours dans des circonstances favorables. La vie n'est pas remplie de bagailles qui sont capables de provoquer une joie naturel. Et puis l'apôtre Paul a dit nous, soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul a dit nous, et que la joie est capable de manifester dans la vie nous, dans la prière, et que nous c'est joie l'église de Philippe, nous c'est couronné, et que joie nous effectivement capable complète, puisque l'apôtre Paul lui-même, c'est un monde qui te connaît pas mal de problèmes, pas mal de tribulations, pas mal de persécutions dans la ville. Et lui-même parle nous de arrestation yo. Et même de l'épître aux Philippiens, il dit qu'il est encore dans les chaînes. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui au cours de voyage lui noyé pendant plusieurs fois. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui dit que en deux manifestations de la vie chrétienne, non, eh bien, il était recevoir lapidation. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui dit toujours pendant manifestation pendant apostolal, eh bien, l'idée recevoir combien coup de bâton 40 moins 1. L'apôtre Paul était plein de circonstances dans la ville pour le séparer du monde qui a parlé
de la joie. L'apôtre Paul était plein de circonstances dans la ville pour que il était capable de parler et manifester en d'autres choses. Mais cependant, l'apôtre là, il dit, soyez toujours, toujours joyeux. Maintenant, frères et sœurs, la joie que l'apôtre Paul a parlé là, c'est pas la joie qui est conditionnée par circonstances que nous sommes capables effectivement de gagner dans la vie. C'est pas une joie qui est artificielle. Mais c'est une joie que nous devons gagner malgré tout. Malgré tout, parce que nous connectons à Jésus-Christ qui nous a sauvés. Jésus-Christ qui sauve nous, c'est sous joie ça que nous gagnons et joie ça que l'apôtre Paul, effectivement, lui a parlé de lui. Gagnons pile raison qui fait que l'apôtre Paul, lui-même, lui gagne joie ça et que lui a exhorté nous que nous gagnons. Et une des raisons ça, c'est que l'apôtre Paul, en Jésus-Christ, lui gagne le salut. En Jésus-Christ, lui gagne le salut. Frère moi yo avec ce mio. Salut que nous gagnons en Jésus-Christ. C'est you bagay qui doit faire que nous toujours joyeux. Maintenant, go bagay. La semaine là pendant ma réfléchir sur ce texte là. M'a dit bon. Nous connaît et en pile fois nous a prié. N'a prié pour moun qui malade. Et nous attend guérison. Et ça te mène et à un point que nous capables de dire ces philosophies liées, mais cependant, il est ancré dans l'enseignement biblique. Nous tous, nous sommes condamnés à mort. Et seule question qui gagne, c'est qui est-ce qui va l'avant. Réfléchir sur bagay ça le plus souvent sur mode bagay ça le plus souvent me ramener à moi-même parce que si m'a parlé de maman par exemple qui atteint gros l'âge 91 ans alors si maman t'a tombé malade là on va lui demander nous pour nous prier pour le guérir. Réflexion ça m'a parlé avec vos amis moi dire comme ça problème qui gagne c'est que si m'ta dit bon Dieu fais moi même vivre éternellement et bien moi même pas là pour me jouir de ça puisque moi même pas mourir et puis il dit maman que bon Dieu t'a bon bagage là génétiquement il fait tout pour mieux vivre éternellement mais l'apôtre Paul il gagne une joie. Et joie que le gagnant, hein? En plus, fois nous citer, mais nous pas dire le contexte li. L'apôtre Paul dit en Philippiens, la mort met un gain. Et gagne des gens qui connaissent passer nous le jour, te dis bien, si la mort met un gain, peut-être que ça nous a tout problème ça, ou peut-être que ça nous pas avancer et vers la mort, nous a tout problème ça, ou nous a des gens qui mourir, ou seulement nous même nous pas dit que je m'a mourir à venir plus vite, parce que la mort met un gain.
Mais lorsque l'apôtre Paul dit la mort m'être gain, c'est parce que l'apôtre Paul gagne la joie en lui-même. La joie de savoir que lui, en Jésus-Christ, gagne la victoire sur la mort. De telle manière, en tant que chrétien, nous gagnons une joie qui grande lorsque nous capables de nous pas peur de la mort. Laissez-moi poser une question. Peur de la mort, pour qui ça? Un philosophe qui dit lui-même, il n'a pas peur de la mort parce que de toute manière, elle mourra, elle ne connaît pas. C'est dormir, mourir. Et le vol mourir. L'homme ou on pas connaît, donc peut-être que ça a besoin de peur de bagaille, ou faut accompagner l'état, on pas connaît, ou pas connaît rien encore. Pour ça, on a besoin de peur. Mais l'apôtre Paul, il a une raison qui fait, il dit, la mort m'est gain, c'est parce que il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui m'a donné la victoire en toutes choses, qui m'a donné la victoire aussi sur la mort. Donc moi pas peur de la mort. Il dit même de la mort, réjouissez-vous. Frères et sœurs, l'Église, lycée Youwout d'Idroyer, une voix qui doit porter pour nous la joie. Et qui doit porter pour nous la joie, pas parce que nous m'en fous bien, ou seulement, mais tout simplement, lui porter la joie pour nous parce que nous connaissons qui ça que nous gagnons en Jésus-Christ. Plus gros problème, l'Église, c'est pas le péché. L'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, et le verset qui est capable de ramener nous encore et à considérer tout à qui ça, l'apôtre Paul capable de dire la mort, mais un gay, il est toujours joyeux, même de la mort. Écoutez, passage ça que nous tous connaissons. Et nous bel passage que nous toutes nous aimons, Romains chapitre 8, mais nous avons commencé pour économie. Donc, le verset 31, il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort toujours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur. Donc, péché, Satan, persécution, tribulation, épreuve, c'est pas ça qui est plus grand problème nous. Plus grand problème nous, c'est que nous pas réjouis nous dans le Seigneur. Nous parler plus de péché que nous parler de pardon. Nous parler plus de péché que nous parler de salut. Nous parler plus de faiblesse nous que nous parler de la force que nous avons en Jésus-Christ. En tant que chrétien, nous devons pour nous capables changer focus et pour nous mettre côté l'idoué aléa. Le thème de la Bible, le thème que nous gagnons comme chrétien, c'est le grand salut que nous gagnons en Jésus-Christ et en rien pas capable. Séparez-nous de lui. Vive dans son pardon et dans sa grâce. Et comme ça, nous capables, comme l'apôtre Paul, avec les chrétiens de Philippe, réjouis-nous en tout temps. Nous capables, réjouis-nous dans la prière. Nous capables, réjouis-nous dans la foi. Nous capables, gagner une joie qui est complète. Maintenant, réjouis-nous dans la prière. Qui sujet? Méditation nous? Qui sujet? Prier nous? Avec qui sentiment nous prier? L'apôtre Paul dit, prier avec joie. L'apôtre Paul parlait et dans 1:25 pour nous capables prier dans la foi. Nous qui t'aimes en tant que chrétien. Nous qui bagaille que nous ancrer la donne en tant que chrétien. Et you bagaille qui ancre la foi nous en tant que chrétien, c'est la joie. La joie, pas des circonstances, mais la joie de la foi. La joie, pas parce qu'il environne nous dans la vie et de ça que nous vivons jour après jour, mais la joie nous de la foi. Parce que, comme Paul l'a dit, tout cela passeront. Il a nous parlé de maladie, la passé tout. Il a nous parlé de la mort. La passe tout. Joie nous les doit ancrer dans la foi. L'apôtre Paul parlait de une joie qui complète. Une joie qui complète, c'est une joie qui là malgré tout. Il y a monde qui pas capable de comprendre et qui capable de dire et ça c'est you. Yo bagay ki pa mêlé, yo bagay ki impossible. Ki jan yo moun kapab gen la joie lorsque ou a crié. Ouais, parce que crier c'est une circonstance. Crier c'est une circonstance passagère que lié. Mais la joie c'est un bagage qui est éternel, qui est ancré en vous-même, parce que Christ est votre joie. Donc joie, elle est capable complète. L'apôtre Paul dit, rend joie moins complète. Et qui gens que nous capables de faire ça, les nous retourner dans Philippiens. Premier 25. Qui j'en nous capable de faire ça? Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Et l'apôtre Paul lui dit que lui-même lui grand joie. Et
joie lui-même, c'est l'église Corinthe. C'est l'église Philippe. Et l'apôtre Paul dit l'église là, où c'est joie en pour ce couronne. Frères et sœurs, nous besoin couronne. Hein? Gon bagay dans la vie nous qui doit et c'est un couronnement effectivement que lié pour lui. Et l'apôtre Paul là nous lit et puis Philippe là n'a pas pour qui raison, mais l'apôtre Paul dit et Philippiens yo premièrement ou c'est joie. Deuxièmement ou c'est couronne moi. En d'autres termes ou c'est chef-d'œuvre moi. En d'autres termes on prend plaisir en vous. En d'autres termes c'est ou même et qui encrime l'accomplissement que moi gagne effectivement la prédication de l'évangile là. Joie et puis couronne moi. C'est peut-être ça. Et l'apôtre Paul dit pour nous capables de demeurer ferme dans le Seigneur, Philippiens 4, 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, pour nous capables de demeurer ferme dans le Seigneur. Et c'est ça que l'apôtre Paul t'a gagné comme exhortation pour les chrétiens de l'église de Philippe. M'a terminé. Et m'a terminé avec une répétition. Dans la santé comme dans la maladie, l'apôtre Paul dit, nous c'est pour nous qui ça? C'est pour nous joyeux. Dans la vie comme dans la mort, l'apôtre Paul dit, c'est pour nous joyeux. Là nous gagnons travail et là nous perdons du travail, nous. L'apôtre Paul dit, c'est pour nous joyeux. Là nous gagnons manger avec les nous pas manger. L'apôtre Paul dit nous, c'est pour nous joyeux. Là nous soif avec les soif nous étancher. L'apôtre Paul dit nous, c'est pour nous joyeux. Là nous gagnons tout caille nous rempli avec rad, avec souliers, avec costume, avec chapeau et tout comme là nous pas rien pour nous mettre sous de nous. L'apôtre Paul dit nous, c'est pour nous joyeux. L'apôtre Paul dit nous joyeux. C'est pour nous toujours joyeux. Parce que joie nous, ce n'est pas un bagage qui est passager. Joie nous, ce n'est pas un bagage qui est circonstanciel. Mais joie nous, il est acquéri en Jésus-Christ. Et joie nous, c'est parce que nous ancrés en Jésus-Christ. Joie nous, c'est parce que Jésus-Christ sauve nous. Et joie nous, c'est parce que Jésus-Christ bat nous victoire sur toutes les circonstances de la vie. Joie-nous, c'est parce que Jésus-Christ bat nous la victoire sur le péché. Joie-nous, c'est parce que Jésus-Christ pardonne nous. Joie-nous, c'est parce que Jésus-Christ sauve nous. Joie-nous, c'est parce que ni Satan, ni péché, ni le mal, ni la persécution, ni l'angoisse. Joie-nous, c'est parce que ni la nudité. Joie-nous, c'est parce que ni la faim. Joie-nous, c'est parce que pas aucune puissance qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Ni ça qu'en haut, ni ça sur la terre, ni ça qu'en bas la terre. Pas aucune force qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que joie-nous, lui ancré dans l'amour de Dieu et dans le salut que nous gagnons en Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez toujours joyeux. Et comme l'apôtre Paul n'avait souhaité que nous capables ma joie et ma couronne. Que bon Dieu bénisse. Walking in darkness, living in this world, didn't know where we're going until we met our Savior. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh, and magnify His name. Magnify His name. Let us love God. No, for His children.
Savior took us out the pit, washed our sins away. Yes, he cleansed us with his blood. Let us praise him. Oh, yeah. Let us bless him. Bless him. Let us praise him. Praise him. And magnify his name. Magnify his name. The love of God. The love for his children. Oh, yeah. Is so wonderful. Is so wonderful. Yes, so wonderful. Yeah. Jesus came to our life, light up our soul, open widely our eyes, so we take joy in his goodness. Let us praise him. Let us praise him. Let us bless him. Let us bless him. Let us praise him. Praise him, yeah. And magnify his name. Magnify his name. The love of God. The love of God. For his children. Oh, yeah. Is so wonderful. Yes, so wonderful. Let us praise him. Let us bless him. Let us bless him. Let us praise him. Praise him. And magnify his name. Magnify his name. The love of God. The love of God. For his children. Oh yeah. It's so wonderful. It's so wonderful. Let us praise him. Let us praise him. Let us bless him. Let us bless him. Let us praise him. Oh yeah. Magnify his name, magnify his name, the love of God, the love of God. For his children. Oh yeah, it's so, it's so wonderful.